Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Moi ça va forcément puisque là je suis à Walt Disney World. Première journée, aujourd'hui je vous emmène au Magic Kingdom. Avant de commencer, juste deux ou trois petites informations. Sachez que dans les vlogs, vous n'allez pas me voir ni manger ni voir les personnages pour une simple et bonne raison, c'est que je vais vous faire deux vidéos spéciales à ce sujet. Vous allez avoir vraiment plein de choses sur la chaîne, que ce soit des vlogs, des vidéos un peu thématiques, des articles sur le vlog et tout. J'ai hyper hâte de vous partager tout ça. Et d'ailleurs je compte sur vous en commentaire pour me dire si vous voulez tout d'affilée ou si vous voulez que je fasse les vlogs ou quoi ou quoi. J'ai hâte d'avoir votre avis. Et je vous emmène, on y va. Je m'y attendais pas du tout, enfin genre je suis arrivée en plein milieu du spectacle et c'était trop beau, les costumes, les musiques, enfin j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial. Je vous ai mis quelques petits extraits, j'espère que ça vous a plu. Et là je vais aller me promener dans le New Fantasyland en attendant mon premier fast-pass puisque je vais rencontrer Ariel en tenue de sirène. Je suis juste hyper reconnaissante d'être là aujourd'hui et de voir ce magnifique paysage et je sens que les vacances vont être magiques. Mais les gars, premier moment gênant de la journée, je vais pour faire une photo devant l'attraction d'Ariel et j'explique que je suis Ursula en mariée et le mec prend mes photos et tout, hyper enthousiaste, je me dis ah il a reconnu Disney Bound et à la fin il me dit félicitations. Je crois qu'il a cru que je me mariais, bon c'est pas grave. Sur le Magic Kingdom et c'est une attraction qu'on n'a pas en France et je l'avais fait en Californie mais là c'est vrai qu'il y a la thématisation extérieure qui est ouf et je suis trop contente de vous montrer ça. Beautiful.
J'avais oublié qu'il y avait des sensations d'air et d'eau iodée et je trouve que ça rajoute une magie vraiment supplémentaire à cette attraction et je suis contente de commencer par ça. Surtout que cette fois-ci, j'ai pas de bug alors que la première attraction que j'avais fait en 2016, ça avait été la cata. Et là, je m'en vais pour rencontrer Ariel, tenue de sirène. Je présente un petit peu le land, mini land de Dumbo que je trouve vraiment très très bien. Donc en fait c'est un double Dumbo comme vous pouvez le voir ici. La petite Army, je tiens à souligner que ça fait 1h30 que je suis sur le parc et que j'ai déjà fait mes premiers achats. Voilà, voilà. En fait, c'est assez fou parce que cette attraction, je me rappelle exactement l'intérieur. Par contre, l'extérieur, je m'en souvenais absolument pas. Ça m'a pas du tout marqué. Donc, du coup, ça me fait tout drôle de la revoir là et de pouvoir vous montrer les détails. Je crois même pas que j'avais pris de photos en fait. Almost as though you sense a disquieting metamorphosis. Is this haunted room actually stretching? Or is it your imagination? And consider this dismaying observation. This chamber has no windows and no doors. Which offers you this chilling challenge to find a way out. Les gars, j'ai peur. Je suis bloquée ici. Morale de l'attraction, je préfère la nôtre, sans aucun doute. Je préfère notre galerie des morts, je préfère notre histoire. Par contre, il faut reconnaître que aux États-Unis, l'attraction est quand même très très bien faite au niveau des effets spéciaux, notamment dans la queue. Alors là, je ne l'ai pas faite puisque j'étais fast-pass. Mais si je refais l'attraction au cours de mon séjour, je vous montrerai et on cherchera notamment la bague de la mariée. On est obligé hein, parce que j'en ai marre de cette rumeur qui circule à Disneyland Paris. C'est bien à Walt Disney World que ça se situe, donc on verra ça ensemble. Si vous voulez voir l'intérieur de l'attraction que j'ai pas pu vous montrer parce que bah, il fait tout noir à l'intérieur, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les secrets des Phantom Manor et Haunted Mansion à travers le monde. Je vous mets le lien dans le petit i et c'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail et qui est très très complète sur le sujet. Et ça les gars, c'est juste les plus belles toilettes du monde, hein. Qu'on se le dise depuis le temps que je vous en parle. C'est parti pour un incroyable toilette tour. Le pire c'est que j'ai même pas envie d'aller aux toilettes, hein. C'est juste pour vous montrer.
bah ça y est, on a vu la Festival of Fantasy. Je vous ai mis un maximum d'extraits dans le vlog comme vous avez pu le voir. Je pense que maintenant vous comprenez un peu mieux pourquoi est-ce que la Star Zone Parade me satisfait moyen après une parade comme celle-ci. C'est juste une de mes parades de jour préférées, si ce n'est ma préférée. Elle est incroyable, il y a plein de personnages, il y a plein d'effets, enfin elle est magnifiquement géniale. Là il est du coup 3h30 et je pense que je vais aller me promener un petit peu, faire 2-3 attractions et j'ai mon fast-pass pour Winnie l'ourson à 4h30. Est-ce que ça nécessite un quelconque commentaire? Je pense que le prochain haul va vraiment être fou.